Fédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai l'honneur ce matin de te présenter le prophète Joël Grasso. Shalom, que je te demande d'accorder plus fort Jésus-Christ. Thank you.
dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et cette présence entre nous fait du bien. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, parce que dans la présence de Dieu se trouve la délivrance, la restauration et la guérison. Dieu est vivant, il est présent, il honore sa parole. Dieu est tellement puissant que ce matin il te fera du bien. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te fera du bien. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te fera du bien. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te fera du bien. Pendant qu'on chantait la louange, Dieu monte une vision sur toi. Il y a deux personnes qui ont bloqué ta chance. D'abord, je t'ai vu dans des lingots d'or, qui est symbole de gloire, de richesse. Et j'ai vu une dame qui a manigancé quelque chose contre toi en prenant ton argent. Et puis un homme qui est venu avec cette dame parler. Et ils ont pris ça dans un cocu de tortue. Ils ont enterré. Faut m'envoyer du sang de ton village. Tu es né pour avoir la richesse. Et ça, c'est attaché à toi. Le sorcier va beau faire. Tu finiras par t'en sortir. Envoie-moi le sang de ton village. Je vais tuer ces sorciers. Ce matin, je déclare que ton mariage qui a été confisqué par la sorcellerie, la main de Dieu va arracher ça dans le temps des sorciers. Si tu dis amen, cette parole s'accomplit dans ta vie. Ce matin, je prophétise et je libère ton mariage. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de main de Dieu libère ton mariage. Ce matin, la puissance de main de Dieu dégage de ta situation. Ce matin, Maria,
que la puissance de Dieu écrase le sorcier de ta vie. Si tu crois cette parole, dis Amen. Si tu crois cette parole, dis Amen. Cette année, je compte 3 mois suffisamment pour qu'il tombe au nom de Jésus. La sorcellerie de ta famille, le sorcier va tomber. Celui de ta vie tombera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ.